ou se poser une autre question, et j'arrive à la fin, c'est que, au fur et à mesure que l'émancipation juive progressait, par le biais de l'école, par le biais de l'occidentalisation, de la modernisation, par le biais du changement de prénom, par exemple, les années 1920-1930, c'est les années où Mardochée devient Maurice. Pourquoi brutalement, tout d'un coup, on a une francisation des prénoms dans les communautés juives ? Bon, c'est très net qu'il y a une volonté d'intégration et d'assimilation dans toutes les communautés juives. Ce que je dis du Maroc, c'est vrai de l'Algérie, c'est vrai de l'Égypte, c'est vrai de l'Irak. C'est vrai de partout, ça. Donc voilà la question centrale. C'est la question que je me suis posée parce qu'elle est récurrente. Comment l'émancipation juive a-t-elle été vécue par la majorité arabe ? C'était ça qui m'importait. Et d'abord, est-ce que c'était une émancipation réelle ? C'est une émancipation à la marge, une émancipation sourde. Et comment a-t-elle été vécue ? Eh bien, l'un des constats qui m'a le plus frappé durant ces années de recherche, je dirais que c'était, à la limite, c'est devenu presque l'axe de mon travail à la fin, c'est que je me suis aperçu que l'abaissement du juif, dans la période dont je parle, c'est-à-dire avant 1914 pour l'essentiel, après c'est moins vrai, fait partie de l'économie psychique du monde arabo-musulman traditionnel. Tous les témoins le disent. Charles de Foucault dit par exemple que l'infériorité du juif semble aller de soi au Maroc, elle est naturelle. Et tous les autres disent la même chose. Et du coup, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir ce que cette dimension-là joue aujourd'hui dans le présent. Et forcément, on ne peut pas ne pas faire le lien avec le conflit israélo-arabe, qui est l'un des plus longs conflits de l'histoire contemporaine. Et à partir de là, forcément, se poser un certain nombre de questions qui m'amènent à la fin du livre. C'est quel rôle la Seconde Guerre mondiale a-t-elle joué dans l'exclusion des Juifs ? Parce qu'ils sont tous partis en 30 ans. Quelle a été l'opinion arabe ? L'opinion avec des guillemets, parce qu'il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas d'opinion alphabétisée. 80% des Égyptiens sont analphabètes en 1945. 90% des enfants marocains musulmans sont analphabètes. Et à l'époque, 20% seulement des garçons juifs sont analphabètes au Maroc. Vous voyez le conflit. Il y a deux générations d'écart en matière d'instruction. Bon. Et donc, quelle a été l'opinion avec des guillemets, l'opinion arabe, vis-à-vis de l'Axe durant la guerre ? Est-ce qu'on peut parler réellement d'une sympathie arabe vis-à-vis de l'Axe durant la guerre ? Est-ce qu'on peut accorder foi à un certain nombre de témoignages qui vont dans ce sens ? Et ensuite, quand la guerre se termine, quel a été l'écho du conflit judéo-arabe en Palestine ? Pourquoi, à aucun moment dans ce livre, je ne parle de juifs expulsés ? Les juifs n'ont pas été expulsés, sauf dans un cas, c'est l'Égypte. Et le paradoxe, c'est que l'Égypte, ça a été une terre de bonheur. C'est un mot rare, hein, dans le vocabulaire juif. Il faut se dépêcher de l'employer. L'Égypte, c'est une terre de bonheur. Oui, jusqu'en 1948. Et c'est là, pourtant, que l'expulsion va avoir lieu. Mais ailleurs, il n'y aura jamais d'expulsion bonne et due forme, d'où la question pourquoi ? Je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je pose la question.